Bonjour, c'est aujourd'hui pour moi une journée qui est un réel événement puisque ARP lance à nouveau son ARP 2600, un instrument mythique, légendaire, qui était apparu en 1971 et qui s'est arrêté dans les années 80 pour laisser la place à l'époque à l'ARP Odyssey, son petit frère. Si je suis avec notre ami Marc Caro aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Il y a toute une histoire autour de cette renaissance de l'ARP 2600. Tout a commencé, en fait, lorsque Marc, tu nous as fait une vidéo, sympathiquement d'ailleurs, où tu faisais apparaître ton ARP 2600. Voilà, une marque que nous nommerons pas avait fait une version de l'ARP 2600, une super modélisation sur ordinateur. Et à cette occasion, j'avais comparé un peu l'ARP virtuel et l'ARP hardware, puisque j'ai eu la chance, moi, d'acheter à la fin des années 90 un ARP en chair et en os, et surtout en métal. Voilà, c'est ce que l'on voit derrière nous. Donc, voilà. Il y a un original des années 70 avec la version refaite d'aujourd'hui. Et là, la nouvelle version d'aujourd'hui. Il est de retour. Dans ton studio, tu as tout un tas de synthétiseurs de collection, des pièces rares, comme la caisse Synthie, etc. Et je me rappelais de cet ARP 2600 chez toi. Et il y a 2 ans, lorsque j'étais à des réunions de développement au Japon, Korg nous annonce qu'ils allaient relancer l'ARP 2600, que les ingénieurs d'origine étaient là, David Friend et toute l'équipe, tout était prêt. Il leur manquait juste une chose, c'était une machine qui servirait d'étalon pour pouvoir recréer l'ARP 2600. Je suis rentré en contact avec toi. Mmh. Et par le plus grand des hasards, ou voire c'est peut-être le destin, j'avais exactement la machine qu'ils recherchaient, le bon clavier. Il y a eu plusieurs modèles, il y a eu 3 types d'ARP, et donc j'avais exactement ce qu'il fallait. Donc tu m'as demandé si je pouvais le prêter, et que le créateur de cette machine, de cet instrument absolument incroyable sur lequel j'ai passé des heures de plaisir et de jubilation, puisse tripoter ma machine à moi. C'était vraiment trop génial, donc j'ai dit oui, bien sûr. Et donc, ton ARP 2600 est parti au Japon. Tout à fait. Et donc, vous l'avez tellement bien protégé ici, là, c'était du béton armé. C'est ça, oui. J'ai vu le colis partir, c'était incroyable. Et au retour aussi, donc voilà. Il est revenu comme il était parti, tout beau, tout gentil, tout mignon. Et alors, ta première impression en découvrant ce que Korg a réussi à refaire avec? C'est incroyable. Il est, c'est presque comme le mien, même s'il y a un attachement affectif à ma première machine, bien évidemment. Mais c'est pareil, mais tout neuf, et avec plein de petites choses en plus. Donc, les XLR là, les MIDI direct, moi j'avais été obligé de faire modifier, en CV Gate. Et ce que vous avez fait au niveau du clavier, c'est top aussi. Oui, le clavier est vraiment très bien. En plus, un petit séquenceur dedans et un arpégiateur. Avec une mécanique, ce qu'on appelle le keybed, avec Aftertouch. L'Aftertouch qui est assignable sur ce qu'on veut. Et il est vraiment très agréable. Il est super. Et ce qu'ils ont fait, c'est top. Vraiment. C'est un très beau travail. Les tests qu'on a pu faire là, sur le filtre et tout ça, là, même dans mes rêves les plus fous, j'imaginais pas qu'on allait ressusciter des machines de légende comme ça. Messieurs et mesdames de chez Korg, il vous manque le 2500. Donc là, alors, si vous faites ça, ce serait dingue.
Si vous arrivez à faire le séquenceur, ce sera top aussi. Chose importante, ce sera également une série limitée. Donc, cette nouvelle génération devient à nouveau un instrument de collection. D'accord. Et donc, ne prendra que de la valeur dans le temps. Donc, effectivement, il faut économiser son argent tout de suite. Ouais. Comment il s'appelle, Emmanuel? Il va vous dire comment faire pour trouver de l'argent. Voilà. Eh bien, un grand merci, Marc. Ben, c'est et moi. Quelque part, sans toi, on n'aurait pas aujourd'hui cette RP de 1600. C'est vrai. Donc, à chaque fois, moi, donc, je jouerai dessus, voilà. J'aurai une pensée pour toi. Je pense que vous devriez m'élever une statue. c'est moi qui remercie Korg, là. Non, vraiment, chapeau, les gars. Thank you.